je pense que le voyage le plus merveilleux, ce n'est pas celui que l'homme fait en allant à la Lune, mais c'est le voyage intérieur. C'est le plus fantastique et le plus... Il est très escarpé aussi, il est très pénible. Mais je crois qu'il est nécessaire. Il est très nécessaire à l'être de se connaître. Parce que si on ne connaît pas, on ne connaît pas les autres. Si on ne s'aime pas, si on ne commence pas par s'accepter soi-même, on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas les aimer.